Yo, Kosumi-san, Minasan, on se la refait. Yo, Sokomi-san, Soupik des. On se retrouve, c'est Captain Tsubasa, nous sommes vendredi matin. C'est le coffee-mage à une mage. J'ai un café. Qu'est-ce que je l'attends, ce café? J'attends le début du live, en fait, pour prendre un café. Mais des fois, c'est un peu long. Salut Floppy, salut Del, salut Alec, salut Steve, salut Jess. Bon, allez, c'est parti, on a un jeu? Oui, évidemment qu'on a un jeu. Sinon j'aurais été au courant. J'ai encore les réflexes des anciens horaires. Un horaire. Salut Boca, salut Proxy. Bah il y a du monde pour les Hollandais. C'est beau. Allez, Ikimacho donc, disais-je. Eh mais oh, rends-moi ma fenêtre. Hop. Et c'est parti. Salut River, salut Carlito, salut Seb, salut Level Lambda. Allez, les Hollandais. Alors, attendez. 09. Donc la Dream Team Cup. Match en ligne. Avec les collégiens. Bon, on ira voir tranquillement. Le Time Attack qui revient. Le marché événement mis à jour. Le marché événement. Objet ajouté au marché. C'est quoi, c'est le marché des médailles à farmer, là? Moi, j'ai arrêté de farmer, hein. Le Dream Champion machin. Oh, j'ai le nez. Ah ouais, ça parle bien, ce matin. C'est un mode draft, non? Là, je sais pas. On ira voir. Tu crois vraiment que ce sera un draft? C'est Spawn. Ouais, ça. Moi, je suis d'accord avec Del. Oui, d'accord. Oui, marché de médailles à farmer. ID SP. Cool. Donc le Dream Championship, donc le 10, donc demain, je sais pas, c'est l'heure française ça, 15h. Voilà, ça va durer 24h, c'est cool, rapapapak, et puis après on aura éventuellement les Dream Balls sur les deux jours, après les deux jours, à condition que vous ayez bien pronostiqué. Il y a des tickets aussi, il y a 8 multi Dream CoDF à fermer. 8 multi à farmer là. Alors attendez, parce que ce matin à 10h30 c'est coupé. Et puis là j'ai pas le choix. Parce que derrière j'ai un rendez-vous donc là c'est pas le choix. Donc commencez pas à me dire qu'il va falloir farmer comme un bourrin. Hein. 3 néerlandais. Oui, il y a 3 coffres, j'ai vu ça. 6 néerlandais. Comment dire. Annelise ce matin. Tout. Je viens de dire que j'ai fini par faire tomber Misaki. Par contre, je suis à poil. Écoute, faut savoir ce qu'on veut. Et félicitations pour ta persévérance et ton aboutissement. Oh merde, j'ai oublié de cliquer sur. Ah, c'est orange, hein. Le retour de Stein Dreamco? Ou pas? L'équipe de Hollande. 240 médailles d'or, si t'as pas le temps, si t'as pas le motif. Ah oui, 240 médailles d'or, non, c'est pas pour tout de suite. Il vaut le coup d'être à poil, le Misaki? Ouais, quand même. Enfin, à condition de repartir avec, quoi. Hop, le petit ticket en plus qui va bien, très bien, la team. Alors, Dream Team Cup, levée de rideau, oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire à propos de la Dream Team Cup? Allez, on va se lire ça. Rapidement, hein, mais on est là pour couvrir les news, donc on va lire les news. C'est un événement compétitif en ligne où les utilisateurs forment une équipe, non pas avec leurs propres joueurs, ah oui, mais avec des joueurs désignés, puis jouent un total de 12 matchs. Ah oui, mais oui, j'avais déjà lu ça. Condition rang 7 et plus. Condition que vous ayez déjà joué de plus d'une demi-heure. Sélectionne la manière Dream Team Cup, ensuite sélectionne modification équipe dans le menu. Seuls les joueurs désignés pour la formation des équipes seront disponibles pour l'événement. Les utilisateurs ne peuvent pas utiliser leur propre joueur. L'équipe dédiée peut être reformée un nombre illimité de fois au cours de la période de l'événement. D'accord. Une fois l'équipe des joueurs formée, tu peux jouer un match test en utilisant le bouton VS à l'écran de modification de l'équipe. D'accord.
Une fois les 18 joueurs et remplaçants formés, puis sur le bouton jouer un match dans le menu, le jeu cherche automatiquement un adversaire. Logique. Tu peux trouver des informations détaillées sur le joueur disponible dans la sélection de joueurs utilisables de ce même écran. Le dans ton cul, pardon. Établis un classement sur la base du total des points obtenus lors des 12 matchs. Le classement, récompense, des bisous. Ah oui, d'accord. Oui, bon, le classique. Meilleur joueur, le joueur qui obtient de bons résultats, gna gna gna, etc., etc. D'accord. D'accord. En gros, tu construis vraiment ta Dream Team. Bah, on va voir. Vu le nombre de la cup, j'ai peur de la RNG. Un peu, hein. Salut qui ? T'es censé le faire depuis 5 ans. Oui, mais bon. Ah, pas toujours toi disponible. Je vais t'expliquer tout sur les événements. Bah, en fait, j'ai déjà vu. Tu formes une équipe, gna gna gna, ok. D'accord, le petit bouton VS, il est là. C'est bon, merci, Sadai. Merci. Donc là, vas-y, fais voir. Fais voir. D'accord. Donc là, on a vraiment des joueurs avec leur spé, leur vrai spé. Parce que je me demandais si ça allait être comme le mode match rapide avec les équipes prédéfinies là, qu'on peut faire. Mais non, pas du tout, quand même. D'accord. Donc leur vrai spé avec leur vrai potentiel. Et donc avec les joueurs. Avec quand même pas mal de joueurs anniversaires. En gros, si t'as pas droppé, hein, et bah, non mais, je voulais pas en fait. Si t'as pas droppé, bah tu peux quand même les jouer. Là, moi j'ai pas droppé Müller, je vais pouvoir mettre Müller. Donc évidemment, on va mettre Ken. Hein, on met tous Ken. Et puis on met Müller en remplaçant. Et devant, on met un mec capable de marquer à Ken. Ah bah il n'y en a pas, je suis con. Et puis en remplaçant, on met un gars capable de marquer à Müller, c'est ça? Les vrais bons joueurs PVP vont être récompensés et tant mieux pour eux. Oui, parce que du coup, c'est pas une question de box, c'est une question de team building, déjà. Même si, bon, tout le monde aura à peu près les mêmes teams. Une question de team building et après une question de jeu, de comment vous jouez. Tiens-le. Il est beau ce Misaki. Ouais, je vais pas le faire là, évidemment. Hein. Mais le principe est rigolo. Ah, j'ai appuyé sur main menu, c'est ça? Ah non, c'est bon. Pierre DFV1. Oui, voilà, celui-là, tu le verras pas, typiquement. Ah, peut-être pour le lead, je sais pas, fais gaffe. Il y a du beau monde quand même. Ouais, il y a du beau monde quand même. T'as un filtre activé là. Ah bon? J'ai un filtre activé moi? Ah merde! Ah, j'ai le filtre shield, non? Ah, il y a un peu plus de monde. Ah, effectivement, ils sont là, les Dreamfest. Merci. Proxy. Merci, Proxy. C'est vrai que j'y pensais plus. D'accord, donc on va... Ok. Donc, soit vous jouez la team full opti de bourrin dès le début pour tenter d'aller chercher un classement. Soit, à la limite, vous a rien à cirer du classement. Et on va voir après quelles sont les récompenses. Et dans ce cas-là, ça permet d'aller jouer genre la team full Mexique. Aller s'exciter un petit peu avec, histoire de voir ce que ça donne. Jouer la team Suède. Il y a la team... la team Hollande. Ils sont là. Puis aller s'éclater, quoi. Ça peut être rigolo. Question de RNG, surtout. Arrêtez avec ça. Arrêtez. Encore une fois, la RNG, il faut mettre un maximum de son côté. Et des fois, on va se faire démonter la tronche, et puis des fois, non. Mais si vous partez du principe que la RNG va vous latter la tronche, et que du coup, vous faites n'importe quoi, la RNG va vous latter la tronche. Plus souvent que si vous faites en sorte qu'elle vous latte le moins possible la tronche. Je sais pas si j'étais très clair. Je sais pas, intéressez-vous au poker, les gars. J'ai pas beaucoup de loisir de jouer au poker alors que j'aime beaucoup le poker. Intéressez-vous au poker les gars. Et même les meilleurs joueurs peuvent se faire fister, bon, on va dire ça comme ça, sur un tournoi parce qu'il y a la variance, ce qu'on appelle la variance au poker. Et que des fois, vous avez pas les cartes, vous avez pas les cartes et puis c'est tout. Point barre. Et puis vous avez pas la chance de votre côté, donc vous avez des périodes de merde, c'est comme ça. Mais n'empêche qu'il y a quand même les meilleurs joueurs et les moins bons joueurs. Alors que là, c'est pas une question de le mec, il a acheté des meilleures cartes que vous. Non, c'est juste une question de comment vous avez les cartes et comment vous les utilisez.
Et voilà. Donc la RNG, oui, ok, ça fait mal aux fesses. Souvent. Même des fois en série. Mais au global, si vous mettez toutes les chances de votre côté, bah ça vous fera moins mal aux fesses à vous qu'à votre adversaire. Voilà. Acte 2. Non, ça c'est bon. Il y a le bon et le mauvais chasseur. Allez. Voilà, c'est tout mon petit. Alors, 2. Oh, un match, 2 dB. Il n'y a pas un peu plus de dB là? Catch match, 3 dB. Donc il y a 10 dB à se faire. Juste en jouant. Juste en jouant. Team Cup numéro 1. D'accord. D'accord. Ah ouais, pas mal. Ok. Vous n'êtes pas obligé de marquer le but. Et le meilleur joueur, il remporte. Ah bah ça va! Prix du joueur exceptionnel. Ah non mais le premier, juste le premier, il remporte 15 dB. Il n'y a peut-être pas de quoi quand même s'exciter sur sur la cup, donc on peut se faire plaisir. On peut aller jouer du team prix du meilleur joueur débutant. Et après c'est 10 dB pour tout le monde. D'accord. Juste un peu les ballons, les médailles qui changent. Puis évidemment le beau badge. Bronze top acteur presse. Ouais. Ok, d'accord. Ça marche. Ok, donc on peut se faire place avec quelques teams. On va quand même regarder les classements. Voilà, le premier, il a 20 dB. Bah, ça va, on va pas avoir beaucoup de dB. Hein. On va pas avoir beaucoup de dB. Ok, donc c'est la Cup du Fun. Écoutez, Cup du Fun, S99 en plus, on est d'accord. Tac. Attendez. Ouais, c'est tout, y a rien. De tout. Vous mettez tout les dedans. Y'a rien. Merci de m'avoir mis modo le jour où t'étais bourré. Tic tic tac. Y a des médailles Kelsias dans le shop éventuellement. Événement. On va aller voir. D'ailleurs, on a fini la cup et c'est pas mal. Alors, c'est sympa. Voilà. C'est sympa à faire de temps en temps. Je trouve ça assez cool comme sur le principe. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve ça assez cool. Une cup comme ça où il n'y a pas énormément d'enjeux. C'est maintenant que je les ai, les réponses au questionnaire. Une cup comme ça où il n'y a pas énormément d'enjeux. Avec quelques débuts à récupérer facilement. C'est pas mal. Zombie des bonnes spé pour la cup. Ouais. Enfin, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe s'il y avait vraiment les meilleurs spé ou quoi. Tu veux aller voir. Ah, bref. Faut que je me dépêche. Hein. Juste, on va aller voir hein, par exemple le Misaki. Alors, la nouvelle combinaison, ça forcément. Le tir à 510. Ouais, ils ont pas mis. Ouais, ils ont pas mis le tir avec Yuga. En même temps, est-ce qu'ils ont mis un Yuga? Oui, je pense quand même. Mais c'est pas grave, il y a la tornade. Le dribble à 470. Tac, sprint retourné. C'est pas mal. Qui c'est qui. Après, il faudrait que je trouve quelqu'un qui je connais bien l'esprit, quoi. Il ou le calce. Ils ont mis quoi? Défense ruée. Ouais. Pas mal. Ils ont doublé. Comme calce, il n'a pas d'anticellement, ils ont quand même doublé le tacle et doublé l'inter. Avec l'inter du hibou et l'inter artistique. Pas mal. Même pour tester les persos avant de les poules. Ouais. Genre là, il y a les Japs qui sont sur les steps et puis les Hollandais qui viennent de sortir. Faut pas mettre de perso boost. Si t'as pas Ken, c'est des fautes quasiment assurées. Bah, il faut quelqu'un qui marque à Ken, et puis c'est tout. Après, Napo, il doit marquer à Ken. C'est l'occasion de jouer les Français. Bon, allez. Oui, je perds mon équipe, j'en fiche. Salut, Super Cookie. Comment ça va? Ça va. Levin B a un tir. Bah, j'espère bien. Ouais. Les trois Hollandais aussi en médaille coffre. Dans la liste des joueurs? Je n'ai pas fait gaffe. J'ai même pas fait gaffe. Salut Kaiser. Salut. Hop. Allons voir notre boutique. Ça je prends. Il faut que je le prenne tout de suite moi. Médaille Time Attack. Ok, c'est revenu. On va pouvoir farmer les médailles Time Attack pour récupérer un ticket de recrutement et un mousse monocote gris. Voilà. Pack. Ça ce sont les Hollandais.
Alors, en New, effectivement, il y a 8 tickets. Très sympa. Des tickets pour Brian, Calu et Xavi. Ah. Calu, il n'est pas sorti encore, Calu. Effectivement. De toute façon, il nous reste quelques portails. Hein. Bon, avec, on est encore début décembre. Mais je trouve que ça pue un peu pour mon magnifique portail. Comment ça s'appelle ? Pour mon magnifique portail allemand, troisième partie. Je trouve que ça commence à puer. Tire Briseur, cool. Pass Sonic. Et Total Football. Total Football. Un bon portail. Bruno Payol Kalou. Le portail de la défense. Alors, tac tac tac. Mission. Non, il n'y a rien. Si, mission event, ils ont mis. Je sais plus. Yo. Crap. Prap, prap, prap. Bah, c'est bon. La petite cup. L'event qu'il va falloir continuer à farmer. Ou se remettre à fermer. Parce que... Hein? Et ensuite on a ça. Ok, bon bah c'est parti, on va aller chercher les coffres. Qu'on peut aller voir à différents endroits, mais on va aller là. On va aller là. On va commencer par notre ami Hans Dolman. J'espère que je peux le. Oh les relous. Bon. Allez, on va aller dans le répertoire des joueurs, et puis voilà. Salut Fred Soubi. Il y a des joueurs encore sortis dans la... Il y a des joueurs pas encore sortis dans la cup. J'ai vu un As qui me dit rien. Ah, tu crois qu'ils nous ont mis des petits indices comme ça? Je vous laisse regarder. Moi, j'ai pas le temps. Je vous laisse regarder. Tac, tac, tac. Alors, c'est absolument pas ça que je voulais. C'était le répertoire des joueurs. Et non pas ta box. On s'en fout de ta box, là, pour le coup. Alors, crack. Répertoire des joueurs. Hollande. Hans Dolman. Les Hollandais, ils sont capables quasiment de faire une team full Hollande. Il faudrait qu'ils ressortent un petit peu d'allemand là, j'en ai marre. Salut Astro Boy Kirk. Astro Boy Kirk. On en pense quoi du nouveau portail? J'en pense rien pour l'instant. Je vais devoir te recrader, mais tu pars dans 1h10. Et t'as pas fait un joueur encore. Oui, pardon, faut que je me bouge. Le gardien géant qui soutient la Hollande. À bout de ses bras coffrés. Donc il est type vitesse Rising Sun. 1254 d'endurance, 11 000, 12 000. Ok, des stats correctes. Un lead à 24, 5 nojas de type vitesse. La zone de sûreté, 25% hors de la surface de réparation. J'espère qu'il a autre chose que ça quand même. L'arrêt volant à 470, Hans Dolman, il est là, voilà, comme d'habitude, j'ai pas préparé les fiches, enfin, un petit peu quand même. Par contre, ça met 3 heures à s'afficher à chaque fois. Ça. Hop là, voilà. Donc c'est son arrêt à 500, son meilleur arrêt. Alors, fais-moi ça. 5%, 1% pour les Hollandais, augmentation de la cache, pleine puissance et désactivation de scellement. Eh ben si, il n'y a que ça. Rien d'autre, ah oui, rien d'autre. Yep, manque juste un def, mais on verra pas Ophérus David Lucal. Au suivant. Bon allez, vite fait, on va regarder, tac tac tac. Dream Analyzer. Hop, c'est un gardien, c'est parti, 12 280. 6. Une pack, 11 394. L'aspect, on va lui mettre ce magnifique spé à 500. Bon, on va lui mettre ses hors-surface quand même, on va être sympa. Avant de le désinguer. 333 000 hors-surface. Même là, je serais pas hyper serein non plus. Hein? Mais on est à niveau. Hein. On est à niveau. Je serais pas serein, mais on est à niveau. Voilà, arrivé dans la surface, il monte à 284 000, mais 284 000. C'est incroyable. Ou pas. Allez, la suite. C'est bien, il m'a plu Dolman. Le As est déjà sorti, mais j'ai dû tellement le skip qu'il me dit rien. Ah bah, il y a des joueurs comme ça, on s'en cogne, tout simplement. Ensuite, on a Resin Break et Gerd Kaiser. Tiens, Kaiser, t'es là, hop. Boom. Alors, le Kaiser coffre va-t-il surpasser le Kaiser Ajax? Je parlais de la foule Hollande. Oui.
Oui, j'ai bien compris. Il manque un peu. Vaillant attaquant de la Légion Orange. Il est de type Tech. C'est très bien ça pour marquer Aken. Très très bien. Sauf qu'il est là pour passer, visiblement. Ok. Donc, une énorme stat de passe. Mais une énorme. Des plutôt bonnes stats d'attaque quand même. Défense, c'est un peu moyen. Et le physique est asthmatique. Désolé pour tous les asthmatiques, qui nous regardent. Ce n'est absolument pas un jugement. 24%, si je l'emploie plus comme une expression, bien entendu. Mettre de la bonne lecture du jeu, ce qui ne va pas l'aider à tirer plus fort, évidemment. Le total football, dribble lumineux et tacle de l'équipe orange. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient ça. Putain. Deux joueurs non-jables de type tech, 3,5. Le petit coffre à 4,5. Peut être très sympa sur certains. Notez, je suis en train de faire le road où je me fais des buffs. Ça peut être pas mal. Distance de déplacement augmentée sur 3 sur un dribble réussi. Gnagna. Tueur de défenseur et gardien à 20%. Ok. Et tueur d'endurance à 15%. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, il va tirer. Il va pas tirer. Alors, du coup, on fait quoi? On passe? Bon, on va quand même regarder son tir parce qu'après tout, il est attaquant. Donc, on va tirer. C'est comme ça. Attaquant, tu commences par tirer. Après, on peut voir si tu fais autre chose. Hop là, le tir, il est à... ah oui, 525. Oh là là, quel talent. Quel talent. Je peux lui mettre tout de suite sa bonne lecture, hein, remarquez. Ça va pas nous changer la stat de tir. Tac, 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 tac. Et après, c'est quoi? Ah, 20%. 20% contre les défenseurs et les gardiens. Allez, 307 000. Bon, c'est pas mal. 307 000. Pour un coffre, je veux dire. Pour un coffre, c'est pas mal. Ça marquera pas à Ken, évidemment. Mais pour un coffre, on est pas mal. Et pour certains events, ça peut être franchement une bonne option. Ok. Parce que c'est constant. Hein. C'est 20%. Hein. C'est constant. Pas ni problème. Là-dessus, il a une magnifique 1-2, mais il a une distance sur dribble réussie. Bah écoutez, on va quand même faire la... On va quand même faire la passe ou la 1-2, peu importe. Enfin, on va faire les deux d'ailleurs. La 1-2, 525 aussi. Et ça, c'est beau. On reste là-dessus. On reste là-dessus. 20% de bonne lecture, 20% de stats. Attends, excusez-moi, j'essaye de bien analyser la situation, là, ce qui est en train de se passer. Mettre de la bonne lecture du jeu à 20%. Et en plus, il est tueur de défenseurs et de gardiens à 20%. 463 000 bons choix. On se fait un tour dans le top player, là. Juste que je rigole, là. Ah bah oui, c'est ça. Il met quasiment 100 000 à la meilleure ligne du jeu. Alors évidemment, mauvais choix. Mais même mauvais choix, 346 000 347, qu'est-ce que j'ai foiré là? J'ai foiré un truc. Abusé. Ah, attendez, faut que je vous vérifie un truc là. Non. Non mais j'ai raté un truc. Non mais c'est n'importe quoi. Je vais reprendre mon café. j'étais pas prêt du tout là. Dites-moi que j'ai raté un truc. Mais 347 000 mauvais choix. Ce sera contre les interceptions, bon choix. 347 000, on est là. Il est quoi? Il est type tech? Attendez, bougez pas. Ah, forcément, il n'y a que des forces après. Il est à ce niveau-là. Ils ont quoi avec la Hollande en ce moment? Il est à ce niveau-là. Regardez mon beau Chester. Mon magnifique Chester qui fait interception. Oui, je l'ai bien lu. Impeccable, je fais interception. 340 000. Je me fais bouffer par un coffre. Chester, le nouveau Chester fait le bon choix, il se fait bouffer par un coffre. Je sais pas. Je comptais aller vite là, mais là je sais plus. Là. Alors évidemment, il faut faire le bon choix, hein, vous allez me dire. Et en plus, il n'a pas de. Comment dire? Il n'a pas d'anticellement. Il a d'anticellement? Non, il n'a pas d'anticellement. Donc bon, forcément, voilà. Mais même la passe à 415,
C'est énorme. Contre Chester, oui, contre Chester, il n'y aura pas. C'est le principe. Oh, arrêtez un peu. Tati. Tac, tac, tac. Donc, par contre, le dribble, et c'est là où c'est un coffre. Mais bon, ils sont tapés un délire de ouf. Ouais, c'est n'importe quoi. Enfin, même 40%. Bref. Le dribble est à 440, il est dessus, pas de problème. C'est uniquement contre les défenseurs, mais c'est pas mal. Mais c'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est n'importe quoi, c'est abusé. Non, c'est pas juste, c'est pas mal. 347 000 mauvais choix, c'est pas mal. C'est n'importe quoi. Mais ah. Bon, rassurez-vous comme vous voulez, les gars, à vous dire, oh non, mais ça va, c'est que les défenseurs, c'est bon. Rassurez-vous comme vous voulez, mais... En attaquant, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et le dribble est complètement viable, en fait. Il est complètement viable. Évidemment, vous faites le mauvais choix, ou vous faites bouffer la tronche, pas de problème. Mais 360 000. Alors certes, vu qu'il tire pas forcément très très fort, ça aurait été mieux qu'il soit à la limite carrément abandonné le tir, et puis qu'il soit tueur de... Enfin, surtout qu'il faut sacrifier un Ajax pour lui donner un tir, merci. Il faudrait mieux qu'il soit tueur de MDDF. Voilà. Mais tu mets son attaque à 3 sur là, il va distribuer. Après, il faut tous ses copains pour jouer. Oui. Mais comme souvent, quoi. Mais je veux dire, si t'as tous ses copains, il est très très fort en percussion. Pas forcément en finition, mais en percussion, il est très très fort. Faut pas le faire jouer contre AMD. C'est sûr. J'enlève. Enfin, faut pas le faire jouer. 301 000, bon choix contre AMD. En dribble. Avec son meilleur dribble, évidemment. Mais... Son deuxième dribble, il y a combien? 415. C'est pas non plus une catastrophe. Hein. 415, je pense que ça doit être viable. Je sais pas s'il passe sous les 300 000. 305 000, non. Il est encore à peu près. Ça reste correct. Ça reste correct. Donc ça reste viable. Technique, t'as mis le bon chiffre. Ah, là je suis sur le dribble. Mais oui, j'avais mis le bon chiffre. De toute façon, les trois chiffres sont à peu près égales. Trois chiffres de physique, donc. Même si à la limite je m'étais gouré. Mais non, j'ai vérifié du coup. Et c'est sans les boosts des autres copains. Les autres boosts. Entre les coffres, les reworks de cet été et le step, ça devrait pas être si compliqué d'avoir la totale. Oui, d'avoir les copains. Il est très très fort contre les défenseurs, très très fort, et il est viable contre les MD. Il est tueur d'endurance, ce qui est toujours un peu... Voilà, il a un petit combo buff shield qui est pas dégueu. Il a une petite augmentation x3 sur le dribble, ça veut dire que si vous fassiez dribble ou une 2, vous allez avancer sur le terrain. La passe blanche... Si en face il n'y a pas d'auto-inter, la passe blanche elle est costaud parce qu'il y a une sacrée stat de passe. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bon, après, il vaut mieux pas trop tenter la passe blanche, hein. Pas trop jouer avec le feu non plus. Hein. Mais what the fuck, hein, j'ai envie de vous dire. Stagiaire encore passé par là, hein. Ok, alors évidemment ils peuvent pas faire un truc abusé comme ça sur les gardiens, sinon ils cassent leur jeu. Mais la différence entre Dolman et Kaiser, là je suis choqué. J'ai encore l'impression d'être passé à côté d'un truc. Rise and Break. Alors du coup par rapport à l'autre, c'est ça qui est rigolo, quoi. J'ai même pas été regardé. Du coup par rapport à notre ami... attends, qu'est-ce que je cherche? Je cherche Kaiser. Tac, ta, 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 ta. Votre Kaiser, on va rester en bon choix. 332. Il va être entre les deux, l'autre, hein, c'est ça? Ah, il est moins bon en passe. Il est moins bon en passe. Et moins bon en 1-2. Et... Bon, mais en plus, ça augmente avec le temps. Bah oui. En plus, ça augmente avec le temps. L'autre, il va être meilleur. Tac, tac, tac.
Je parle des SP défensives, mais de toute façon, lui, il est quand même pas ouf hein, en SP défensive. Enfin, honnêtement, entre eux, le Kaiser Ajax et le Kaiser Coffre, on va préférer le Kaiser Ajax parce qu'il tire quand même vachement mieux, hein, on va pas se mentir. Mais il y a match, hein. Il y a match. N'importe quoi. N'importe quoi. Allez, 15 000 en tir. Bah oui, allons-y. 15 000 en tir et 10 600 en puissance. Bah bien sûr. Pour les mecs qui ont commencé le jeu avec un reroll non acheté, hein, un reroll legit, on va dire. C'est du pain béni, ça. Hein. Vous les avez, vous farmez, vous les avez en BB4. C'est du pain béni. Ils ont pas le même rôle. Bah, peu quand même. Sur tous les deux attaquants, ils ont à peu près le même rôle quand même. C'est juste que bah, l'Ajax il tire quand même vachement mieux. Bah, y a pas tortillé. Mais... Attaquant Eyamo, le tacticien impassible. De type force, Rising Sun, 1241 d'endurance. Donc 12 000, 15 000 et 11 700. Vache, 8 000, 10 600 et 7300. Il n'y a pas que moi. Lui, il n'a pas d'augmentation de stats. Ou alors je m'arrête maintenant. Trop la vache. 24%. Tir. Pardon. Excusez-moi. J'ai déjà plus de café, moi. Ça m'a tellement choqué depuis tout à l'heure que j'ai plus de café. Tir plus 15% jusqu'à ce qu'il marque sur une technique spéciale avec une bonne lecture. Et actif après la mi-temps. Le tir compact technique. Donc le tir de ceux qui ne savent pas tirer. Ça marche. Tac, tac, tac. Ah, tac, tac, voilà. Donc c'est son meilleur tir. Hein. C'est son meilleur tir parce qu'après c'est la volée à 510, évidemment. Ok. Une telle différence entre les coffres Hollande et Mexique. Oui, je disais à la cup, on va aller jouer avec la team Mexique pour rigoler. Non. On va rigoler avec la team Hollande, en fait. L'un est plus là pour déborder, l'autre plus pour marquer. Oui. Oui, oui, non, mais d'accord, mais enfin... disons que quand tu dis ils ont pas le même rôle, c'est comme si tu disais non, mais on peut pas les comparer. Faut pas les comparer. Tu dis, il y en a quand même pas un qui est défenseur et l'autre qui est attaquant. On peut quand même largement les comparer. C'est juste ça que je veux dire. Oui, ils ont pas les mêmes points forts, je dirais, mais ils ont le même rôle. Il va tirer, ça va être chaud. Ah, mais je suis prêt à tirer, là. Non, mais t'es pas le joueur coffre. Ouais, ma tronche, le joueur coffre. Merci, GS Balls, pour le follow. 982, plus que 18. Vraiment, ça tronche. Le tir S à 480, une 2 S à 525, dribble 450, dribble S et tacle S à 450. Mec, il a 4 SP de rang S. Comment deux joueurs non jab de type force permettent plus 5% pour tous les joueurs. Tueur de défenseur à 30%. Ah, évidemment, ça, encore une fois, ce n'est que les défenseurs. Hein. On va pas le mettre MO, lui. Hein. Courage. Ouais, courage. C'est ça, courage. Exactement. Rend inactif facilement et demande de ballon bas à 80%. Tant mieux, parce qu'il a pas de ballon haut, je crois. Pas de ballon. Ok. Allez. Allez, on va tirer. Ah, c'est parce que moi, j'ai envie de tirer, j'ai rien à péter. Alors, c'est 15. Si je commence à lui enlever des stats. Tac, tac, tac. 10 602. Après, c'est que un tir à 480. Il y a un moment où ça peut-être pas non plus. Alors, évidemment, il a déjà tiré deux fois. Et deux fois, il n'a pas réussi à marquer. Le pauvre. Il a donc 30%, par contre, sur son tir. Attention, hein, pas sur le physique. Juste sur le tir. Donc, lui, vous le mettez dans une formation attaque plus 10%, pas physique plus 10%, hein, évidemment. C'est limite des joueurs de portail, en fait. Bah, vas-y. Je vais prendre les coffres et les Hollandais, ils sont chauds. Bon, on va continuer, hein, on va voir. Voilà, et après, c'est quoi déjà? Oui, tueur de DF. Tueur de... C'est dommage. Donc, tueur de... Bon, ça, c'est 30% tueur de DF? Non, parce qu'on va rigoler après quand même avec le tueur de DF. Hein. Ouais, c'est 30%. Bon, on va rigoler après. Ok, on est là. Tac, tac, tac. 30% sur le tir. Bim. 345 000. Pardon, excuse-moi. J'ai un problème.
Ça se cumule les 15%, bien sûr, ça se cumule. C'est 15% jusqu'à ce qu'il marque deux fois maximum. Donc ça se cumule deux fois. Il marque pas plus 15%. Il marque pas une deuxième fois, encore plus 15%. Mais ce n'est que sur la stat de tir. 345 000. Alors pourquoi j'ai toussé? Bon, déjà parce que je suis pas complètement remis. Hein. Mais il tire plus fort que mon Schneider en fait. Il a un tir à 480. Tir de merde, hein. Tir compact technique, c'est le tir de merde standard maintenant. C'est un coffre, il tire plus fort que mon Schneider. Alors évidemment, Schneider, il n'a pas besoin de tirer deux fois aux caisses pour atteindre ce niveau-là. Mais il a, par contre, il a besoin d'être full stam. Donc, hein, préférez ce que vous voulez. Évidemment, je préfère quand même le full body. Hein. Mais au momentum, il tire plus fort que mon Schneider. Moi, c'est juste ça. Hein. Oui, il y a des conditions, oui, il faut des copains, je sais pas quoi, etc. Faut qu'il... Oui, au momentum, il tire plus fort que mon Schneider. Que le vôtre aussi, hein. Je dis mon parce que voilà. La volée basse et but alors. Durée de vie de KHS 2 semaines. Mais carrément. Carrément. Alors pas tout à fait, mais quand même. Pas tout à fait, mais quand même. Pourquoi je dis qu'on va rigoler contre un défenseur? Parce que contre un défenseur, il a 30%. Ça se cumule. Donc déjà, il a 345 000 contre un défenseur. 345 000 contre un défenseur qui fait le bon choix. Aujourd'hui, ça a du mal à passer. Ça a beaucoup de mal à passer. Par contre, si vous lui rajoutez 407 000. Voilà. 407 000. Ah oui, je suis sur Kaiser. 407 000 contre un défenseur. Bah écoutez, Misugi, Gentile, ça va le faire, puisqu'ils ont la bonne couleur. Derrière, ça va tout de suite vachement moins le faire. En fait, tu vas contrer un défenseur juste pour la forme. Bah, pas sur le premier tir. Pas sur le premier tir. Pas forcément sur le deuxième non plus. Mais ouais, sinon, ouais. Donc il tire à 301 000 sur le premier tir. Donc évidemment, 301 000... Effectivement, il n'est pas censé marquer. Il n'est pas censé marquer. Par contre, il tire à 301 000, mais il tire quand même à 345 000. Oui, bah, forcément, c'est la même stat que tout à l'heure. 345 000 contre un défenseur. Donc, évidemment, ça ne marchera pas contre les défenseurs de l'anniversaire. Puis même les meilleurs défenseurs pré-anniversaire. Mais bon, il y a quand même moyen d'aller chercher le gardien. Et si on va chercher le gardien, bah, on commence à activer notre passif. Parce qu'évidemment, faut atteindre le gardien quand même. Ok. Ah non, pardon, excusez-moi, pardon. Qu'est-ce qu'il a dit le monsieur? Le monsieur, il a dit ça, le monsieur. 300. Oui, mais en plus, je suis sur une formation attaque. Physique. Je suis sur une formation physique. Donc sur la formation physique, il a 363 000 contre un défenseur. En mauvais choix. Donc il a quand même de grandes chances d'atteindre le gardien. Je vais pas avoir le temps d'analyser tous les persos. C'est ça qui est rigolo. Oui, parce que je suis sur une formation. Bah oui, mais tout à fait. Tout à fait. Du coup, j'ai juste envie de retirer un petit peu. Parce qu'on a dit qu'il tire à 345 000. Qu'il tire plus fort que Schneider. Oh, je suis. Hein, voilà, je suis. Je mets la formation attaque. 355 000 sur une formation attaque. 355 000 et sur les formations attaque, 355 000 c'est quoi? Bah c'est là, voilà, c'est top 5, je suis un coffre, je suis top 5, je mets une rouste à mon pauvre Schneider, et je suis une grosse brute. Donc clairement, hein, on a souvent des grosses stats comme ça, donc les formations attaque sont pas négligeables, moi je reste... en formation physique parce que ça me permet d'éviter de changer, parce que après si je me mets en formation attaque et ensuite j'analyse un défenseur, je regarde son tacle, il va prendre le boost de l'attaque parce que à ce niveau là il sait pas que je suis en train de regarder un tacle, le Dream Analyzer pas encore, donc c'est pour ça que moi je reste en physique. Mais avec les grosses stats qu'on a en ce moment, les stats de bourrin comme 15 000, n'importe quoi, la formation 10% attaque est un peu plus viable. Alors évidemment vous affaiblissez votre gardien, mais voilà, bref. Le power creep du
décès à la fin du mois, il va faire très mal. Ouais, j'ai un peu peur. Stagiaire avait bu du saké. Ah ouais, non, mais je pense qu'en fait, le nouveau directeur, il est fan de la Hollande. C'est tout. En fait, nos persos du mois de novembre sont déjà dépassés. Bah, les Allemands, en tout cas. Ouais. Physique, ça booste un peu le gardien. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ce qu'on vient de voir. C'est ce qu'on vient de voir. Pourtant, ce perso dans l'histoire, il est invisible, on est d'accord ? Moi, je le connais pas. Je sais pas qui c'est. Donc, il a 510 sur la volée. Voilà. Et la volée est un tir. Donc, il a 510 sur la volée. Allez, il est pas bon, hein. 366 800. 366 800. C'est pas... voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je comprends pas. Ils vont faire une mage, là. Pas possible, ils vont faire une mage d'urgence. Il sera invisible en PvP aussi. 366 000 ballons bas, je vois pas comment il peut être invisible en PvP. Le deuxième tir, c'est but sûr. Le deuxième tir, on est à 343 000, ce qui est déjà ultra costaud. Sur ballon bas, lui c'est quoi c'est? Ballon bas, 343 000, ah, ça marque à Müller. Hein. Bah, je vais pas me faire tous les gardiens parce que mine de rien, leur avance, mais... Il fait une passe avec Michael, c'est plié. C'est plié, ouais, c'est plié. On les trouve où ces coffres? Bah, on les trouve dans l'event à médaille. On est d'accord qu'elle va te faire s'active si le défenseur ne contre pas le tir. Oui, il faut que la balle arrive au gardien. Et il faut avoir fait une spé. Ah, si vous faites un tir blanc juste pour spammer, ça marchera pas. Il faut avoir fait une spé. Donc évidemment, sur un coffre, il a 1241 d'endurance. Le tir, il lui coûte quand même 465. Ça veut dire qu'il y a hors full pot, il faudra quand même qu'il ait bouffé 930 de stam. Et il lui reste pas assez pour tirer, donc voilà, c'est forcément soit avec du full power, soit en deuxième mi-temps en ayant récupéré, et puis il fait rien d'autre. Hein. C'est si vous commencez à lui faire bouffer sa stam, il sera plus capable de finir. Mais même, je veux dire, même. Vous mettez un joueur comme ça, un perso comme ça, dans les mains d'un joueur moyen sur le jeu, même moi, j'ai envie de dire. Très clairement. On va pas réussir à vraiment l'exploiter parce qu'on va pas réussir à le trouver dans le bon moment, etc. Vous mettez un joueur comme ça dans les mains d'un joueur qui maîtrise bien le jeu et qui sera capable de l'exploiter au bon moment quand il faut, ça va faire mal. Je veux dire que si le défenseur ne choisit pas contre, car il est noté tir en bon choix. Oui, mais sur le gardien. C'est une technique spéciale avec bonne lecture contre le gardien adverse. Jusqu'à ce qu'il marque. De toute façon, il n'y a pas de bonne lecture contre le gardien adverse. Non, c'est bien qu'on contrôle le gardien, mais de toute façon, c'est le même passif que Yuga et que... Qui c'est qui avait ça? C'est Diaz, hein, qui avait ça. J'en ai déjà deux. Même pas besoin de médaille ID pour eux. Non, même pas besoin de médaille ID, ils sont offerts en plusieurs exemplaires, pas de problème. Bon, écoutez, on va avancer, hein. On va avancer, mais je comprends pas, hein. Je comprends pas, hein. Moi, je vais arrêter de jouer allemand, hein, c'est fini, ça y est. Hein. C'était rigolo 5 minutes, mais... Alors, évidemment, ouais, j'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à dire. Dribble à 450. Après, c'est quoi? Après, c'est dribble à 415. Dribble à 450, je vais renlever ça. C'est 30% contre les défenseurs. Alors là, par contre, bah, on verra contre AMD, remarque. Remarquez, c'est comme notre ami Kaiser. Donc là, il y a 343 bons choix, donc aucun problème. Très bon dribble. Très bon dribble. Si on se fait sceller l'aspect, on est encore à 321. Donc on est bien. On est bien. Et, non, 50. S'il te plaît, 50. Respecte ce Resin Break. Le 50, si on est contre un MD, rapidement, on est à 284. Donc là, c'est, voilà. Autant Kaiser contre un MD, il reste viable. Il reste correct. Autant lui contre un MD... Ça commence à être très compliqué. C'est con parce que lui, pour le coup, il est double poste. Là où Kaiser, lui, était monoposte en attaque. Bon, bref. Je suis en train de farm et pourtant, je n'ai pas ça. T'as pas quoi?
Les Pays-Bas sont en quart de finale. Peut-être que le club va booster leur stade quelques jours sans tester. Peut-être. Donc voilà pour le dribble. J'imagine que pour la... Alors pour la 1-2, évidemment, ça va être sans problème. Voilà, regardez vite fait. On va la regarder vite fait. 374 800. Casse-toi le jeu. Pourquoi tu nous fais chier comme ça? Passe à 415. Et la queue, la passe à 415. Donc la passe à 415 derrière. À 308 000. Ça va encore. 308 000, ça va encore. Mais voilà, c'est contre un défenseur. Je regarde pas contre un MD. Contre un MD, c'est de la merde. C'est bon quand c'est gratuit. Et c'est gratuit quand c'est bon. Non. Ok. Je regarde pas sa défense, c'est une passoire. Contre un MD, c'est un peu de la merde. Contre un MD, c'est un peu de la merde. Par contre, contre un défenseur, bah c'est très bien. C'est très bien, on est au niveau des meilleurs joueurs actuels, donc tout va bien. Hein. Tout va bien. Et en tir, ça commence vraiment pas ouf. Vraiment pas ouf. Et ça se termine vraiment très très bien. Très très bien. Ok. Ok. Pour tous les joueurs. Avec nos nojas de type force. D'accord. Donc typiquement, c'est le gars que je peux prendre si jamais j'ai un event que j'arrive pas à passer, même en PVP, mais bon bref, on va passer là-dessus. Mais typiquement sur un event, c'est le gars que je peux prendre, que je peux mettre dans mon équipe. J'aurais pas forcément. Je n'aurais pas la 1-2 avec ses copains, mais j'aurais un mec capable d'aller allumer devant. Voilà. C'est cool. Alors moi j'ai pas sa reprise de vol à 510, hein, mais bon. Il est déjà plutôt sexy quand même, déjà, rien qu'avec son tir. Voilà, bon, et bah écoutez, on va passer au vrai joueur maintenant. Si. Ils ont intérêt à être au niveau, les gars, parce que là, je commence à me demander. Bon, je vais boire un coup. Allez. On va commencer par le défenseur massif qui bloque les attaques. On va voir s'il est capable de bloquer ses copains. Normalement, avec des partenaires d'entraînement comme ça, il doit être costaud. Hein. Ah bah non, il y a des stats de merde. Non, il n'y a pas des stats de merde. Mais bon, peut mieux faire, quoi. Peut mieux faire. 1247 d'endurance, il n'a même pas plus d'endurance que les joueurs coffres. Tout va bien. Tout va bien. Par contre, lui, il a un lead à 25%. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Et lui, il est tueur de attaquant EMO à 20%. J'espère que t'as autre chose, Coco, hein, parce que t'as moins de stats et t'as moins de boost, hein, pour l'instant. Donc, interception contact sauté 480, contre intrépide 470, tacle à forte puissance à 450. Poc-poc. Hop, le voilà. Oui, évidemment, il y a le tacle de l'équipe orange à 520. Je sais pas s'ils les ont remis dans le shop. Sinon, c'était quoi? Ah, il contre à 480. Ah, dommage. Et sinon, c'est interception à 440. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Tacle. Oui, après, c'est tacle à 520, mais c'est son meilleur tacle, sinon, en solo. Et le centre héroïque. Il a pas... 4% de lien et 4% de shield. Avec deux non-jables de type vitesse. 8%. Lui, il a le combo 8%. 4 plus 4. Et 3% pour les Hollandais. Parce qu'ils en ont besoin. Hein. Vous avez bien vu que les pauvres Hollandais, ils sont un peu faiblards. Contre Inter Auto à 70%. Ok. Et réduction de l'endurance utilisée pour Brian. Moins 20% pour Brian. Mais pas pour lui. C'est dommage parce qu'il n'a pas non plus une endurance à toute épreuve. Tac, tac, tac. Je regarde combien valent ses SP. Ouais. Ok. Ok, ok, ok. Bon, allez, on va contrer. On va voir ce que ça vaut en défense centrale, déjà 789. Je suis pas serein du tout là, pas pour le coup. 11634. On va mettre son meilleur compte quand même à 80. On pourra regarder 70 après, mais ça changera pas forcément grand chose. Il est à 20%, il est constant, il est full constant, tout va bien. Tout va bien là-dessus. Il est normal, ballon haut, ballon bas, ça ne changera absolument rien. Et puis voilà. Bon, au niveau des liens, juste, excusez-moi, du coup, je regarde quand même les liens, si jamais je ça vaut le coup que je regarde un petit peu. Pas de lien
pas de lien hollandais pour Kingsman. À test de combinaison. Oh, putain, ouais, c'est rigolo ça. C'est très rigolo. Ok. Club a parlé que les Pays-Bas gagnent la Coupe du Monde. A dû parler que les Pays-Bas gagnent la Coupe du Monde. Peut-être. Peut-être. 367 000 bons choix. Bon, on est dans des très bons contres. Ah, pardon. J'ai une X trop bouche. 367 000 bons choix. On est sûr. Sur notre ami, je sais plus comment il t'appelle, Godza, on est là, on n'est pas loin de. On n'est pas loin de notre ami. Carolus. Je suis un peu fatigué, on est un peu en dessous le Gito. Ouais, on est sur un bon contre. Alors ça stoppe pas son copain. Si ça stoppe son copain. Ça stoppe son copain parce qu'il a la bonne colère. Oh le noulos. Ok, bon on est sur un bon contre. Bon contre, full constant, donc ok. Pas incroyable. C'est pas incroyable, mais on est ok. On peut regarder vite fait quand même. Tac sur du mauvais choix. On est tac tac tac. Tueur d'arrêt. Oui, lui c'est il y a le tueur d'arrêt qui est là. Je sais pas s'il serait au-dessus quand même. Napo, je suis pas convaincu. Hein. Donc a priori sur du tir au sol, il sera devant tout le monde. Sur du tir, combien on est ? Sur du tir ballon haut. Je suis pas sûr du tout parce que lui il a le tueur de contre. Il devrait pas pouvoir contrer un Casio. Mais bon, il n'y a pas beaucoup. Je pense qu'il n'y a que Casio hein, vraiment qui lui passe dessus. Et en ballon bas, il n'y a personne qui doit lui passer dessus. Je pense. Après, il restera un pourcentage que la balle passe. Hein. C'est pas, encore une fois, hein, c'est pas ça que je dis, mais il sera au-dessus. Il sera tout le monde à part probablement Casio ballon haut. Donc, pas de problème. Après, il sera pas beaucoup au-dessus dans certains cas, mais bon, bref. Ok. Le tacle. Ça va être sympa, mon rendez-vous cet après-midi. C'est pas rendez-vous chez le médecin. Enfin, cet après-midi, non, c'est midi. Le tacle à 520. Le tacle. Je suis où, là? Putain, j'ai changé de perso. Okay. Le tacle à 520 qui coûte 465, donc là ça coûte 420. Le tacle à 520, crac. 352 bons choix. On est au niveau des gros défenseurs actuels. Pas ni problème là-dessus. Ça reste très costaud. Si on utilise le tacle à 450, ça devrait rester correct. Hein. 313, c'est correct. Pas incroyable, c'est correct. Ok. Le tacle et l'inter à 945, 82,38. L'inter est à 480. Là, elle est sur lui, donc pas de problème. On lui laisse sa SP. 339, on est bien. Alors évidemment, si en face vous avez un Gerd Kaiser qui vous arrive dessus et qui fait la 1-2, vous l'arrêtez pas. Même en bon choix, hein. Mais bon, sinon, avant la sortie des coffres complètement pétés, c'était une très bonne interception. Désolé du retard. Salut Alex, t'as loupé le meilleur, c'est dommage. J'ai pas vu l'analyse de Brolin, il sent mieux ou moins bien ce Dick. Moi, il me semble pareil. Après, je me souviens plus... Bon, on va finir l'analyse. Dribble passe, je m'attends pas à des miracles. Ça va être correct quand même. On va rester sur du. Ouais, sur du à peine correct. On va rester sur du à peine correct. Donc la relance, ok, pourquoi pas, mais ça risque d'être compliqué. Sauf éventuellement la relance avec la 1-2 Total Football. Où là, ça va relancer très très bien. Maintenant, ça va vous bouffer toute votre somme. Donc éventuellement en full power, mais sinon c'est compliqué. Donc voilà pour la puissance de ce Dick. Derrière, on a quand même le 3% pour les Hollandais qui peut être très intéressant. Malheureusement, ça ne va pas changer grand-chose pour le gardien. Mais bon, en tout cas, dans le jeu, ça peut être franchement très intéressant. On a un combo 4+4 buff shield qui est très intéressant. On a le contre l'auto-inter
qui est très bien, et la réduction de l'endurance utilisée pour Brian, ce qui est très bien pour Brian. Mais du coup, il n'a pas de scellement de spé, il n'a pas d'anti-scellement. Donc, on va devoir lui doubler le contre, donc j'espère que vous avez ce qu'il faut pour lui doubler le contre, quoique le contre à haute puissance, normalement, vous l'avez, et ça devrait quand même être pas trop dégueu. J'en étais sûr d'avoir raté le meilleur. T'as clairement raté le meilleur. Le tacle, de toute façon, de base, normalement, le tacle, vous allez mettre les deux, parce que j'imagine bien qu'on va mettre le tacle de l'équipe orange, tout va bien, et l'interception, c'est aussi capable de lui doubler. Donc voilà, pas d'anticellement, c'est pas trop grave, alors sauf contre Masao, évidemment, Masao, c'est du garanti. Mais sinon, c'est pas trop grave qu'il ait pas non plus d'anticellement, puisqu'il est capable de doubler les stats. Donc, donc on est pas mal. On est pas mal, faudra faire le bon choix. Faudra pas se gourer, faudra faire le bon choix, mais on est sur un bon défenseur d'anniversaire. Voilà. Et très bon combo quand même, Buff Shield. Très sympathique. Klinsmann. Celui qui fait briller ses coéquipiers. D'accord. MOMD, technicien Rising Sun. Mais l'ancien Dolman sera jouable du coup. Bah, juste avec 3%, on pourrait aller chercher bien loin. Hein. Il était où l'ancien Dolman? Il était pas mauvais, hein. Ouais, même profil que notre ami Müller. Et vous voyez qu'il a 327 000. 327 000, même si je le rajoute 3%, il a 332 000. Hein. C'est pas ouf. Hein. Et du coup, quand il brille, les adversaires sont éblouis, ils ne voient plus le ballon. On va voir. On va voir, c'est une bonne théorie. 1309 d'endurance. Ah, lui, il a de l'endurance. 13500 en dribble. 11300 en tir. C'est peut-être pas ce qu'on va lui demander. De toute façon, il est là pour faire briller ses coéquipiers, pas pour briller lui-même. Et 12300 en passe, on est pas mal. La défense, c'est un peu moins ça. Le physique est plutôt moyen. Tueur de MOMD, 15%. Donc, il va vraiment pas falloir qu'il sorte de sa zone centrale. Interception saut frontal avec 475. Pac, voilà, merci. On a la passe lobée précise à 455 qui est sa meilleure passe, pas de problème. Le total football, évidemment. Le tacle axiocieux à 450. Et puis voilà, donc il n'a pas son meilleur tacle, il n'a pas le tir compact technique magnifique à 480. Ça, c'est un terre. Qu'est-ce qu'il lui manque là? Le dribble, il manque le dribble à 440. C'est ça. Allez, on continue. Avec deux joueurs non jadés type tech, 5%. Stimulus, en remportant le duel, paramètre plus 5% lors du choix de la commande puissante pour le coéquipier joueur hollandais. Ça me fatigue. Ah, ça me fatigue. Bref, celui-là, je n'ai pas regardé encore, évidemment. Mais s'il est capable de faire une passe... Et qui fait une passe à notre ami Rezenbrink. Hein, vous avez notre ami Dick qui lui donne 3%. Lui qui lui donne 5%. Vous lui faites une passe, il réceptionne ballon bas. Ça me fatigue d'avance. Allez. Plus 30% de distance parcourue sur une ligne 2 avec un joueur hollandais allié. Inter-auto à 70%. Très bien. Et seulement d'une TS. Bon, c'est déjà pas mal. J'arrive trop tard pour Cryfy? Non, t'arrives pas trop tard puisqu'il sera après. Salut Mister Sopa. Ok, donc lui, il va pas être incroyable en lui-même, mais par contre, c'est vraiment le profil de joueur qui va apporter beaucoup à ses petits copains. Alors évidemment, si vous jouez pas dans une foule hollande, ça perd largement de son intérêt. Très, très largement. Et j'ai envie de dire. La passe, t'as 455. Et il a 15%. Condition qu'il ne sort pas de sa zone, sinon c'est un peu compliqué. Total football depuis ses caches. Il a directement la surface de réparation adverse. Les adversaires vont être éblouis, ça, ils vont être sur le cul. C'est Rashkit assuré, c'est la team Rashkit. Et puis c'est tout du coup. Puisque tout le reste, c'est pour ses potes. Voilà, 336 000. On est sur une bonne passe. Hein. On est sur une bonne passe. 336 000, c'est une bonne passe. Voilà, pas grand chose à dire.
va falloir qu'il fasse le bon choix. Il a un petit Salmon TS qui va permettre de l'aider dans son choix. Ça dépend ce qu'il y a en face, mais c'est toujours ça de prix, j'ai envie de vous dire. Donc ok. S'il sort de sa zone, 304 000, ça reste correct. Ça reste correct. D'accord. S'il fait une ligne 2, 378 000, c'est abusé. 318 000 en mauvais choix et 378 000 en bon choix. Ok. On va dribbler maintenant. Parce que pour faire un bon choix, il faut avoir le choix. Tac. 85-06. Tac. On est toujours sur le 15. Clac. 332 000. Bon, on est au niveau de la passe. On est au niveau de la passe. Ok. C'est quand en pleine nuit quand quelqu'un en face de toi a plein phare. Vous pensez quoi de cette anif? Vous êtes sûr qu'on est à l'anif? À part les tickets des SAS, rien de fou à côté. Rien de fou parce qu'en fait on a déjà eu le World Cup avant qui nous a déjà mis dans le bain. Donc il n'y a rien de plus à part les tickets sur l'anniversaire, mais on est dans la continuité après. Donc après, et puis on a eu des cadeaux, hein, on a eu plein de cadeaux. Vous en pensez quoi de cet anniv? Bah écoute, c'est pas un anniv incroyable, mais c'est pas un mauvais anniv non plus. Donc moi pour l'instant, voilà, c'est sympa. C'est sympa sans plus. Mais moi je suis content, hein, les tickets, moi j'adore ça. Hein. C'est con, t'aurais dû garder. Bref. Là on va tacler. Je vais mettre le tacle à 450. On va pas tout de suite complètement niquer notre stam. À 293. Ouais. 293. L'interception sera un peu meilleure. Mais bon, bref, voilà. Donc défensivement, c'est pas incroyable. Hein. Je le mettrai pas en MD le garçon. Je le mettrai pas en MD. Je le mettrai plutôt en MO parce qu'il est beaucoup plus offensif. Voilà, le lien est complètement standard. Maintenant, le petit stimulus de 5%, il est très bien. Il est vraiment très très bien. C'est une outline, mais en plus fort. Par contre, c'est pour un Hollandais, évidemment. Les distances de 1-2, de combien? De 30%. Ouais, c'est pas complètement abusé. Mais bon, 30% sur les 1-2 pour n'importe quel Hollandais. Seulement TS, Inter-Auto. Oh, il est propre, hein. Il est très très propre. Hein. Pas le meilleur joueur du terrain, évidemment, hein. Mais effectivement, il fait briller ses coéquipiers. Alors lui, il porte bien son nom, lui. La pub. Rien de fou, je veux dire, à part les cadeaux, sinon le reste c'est pareil. Oui, c'est ça. C'est ça. Le puissant lien fraternel. Attaquant, et un beau. Le Stein Dreamco va faire très très mal. Alors il n'est pas annoncé, c'est moi qui dis ça comme ça. Attaquant Yamo. Enfin, ils vont quand même pas nous ressortir. Bref. Attaquant Yamo. De type force. Alors, 12 000 en dribble, 11 400 en tir. C'est de la merde. 9 200 en puissance. C'est quoi ces stats là? Casse-toi. Le lead. Non, le lead, on s'en fiche. Alors, avec 3 Hollandais, 20%. Alors, lui, il affiche bien la couleur. 3 Hollandais, 20%. Le double moulin avant. En tir. Ils vont ressortir un Stein. Les puissants. Arrête de te manquer, je vais encore enrhumer moi. Donc c'est du constant. Ok, très bien. Et je disais, oui, double moulin avant, il va falloir sortir un Stein. 470 sur le dribble fringant. L'interception immédiate à 455. Une nouvelle inter, ça, ou j'ai raté un truc. Et tac, le glissé dynamique à 440. Il est où, Brian? Brian, il est là. Donc, il va lui manquer quoi, lui? Bah, il va lui manquer le total football. Hein. Respecte-toi un petit peu, mon garçon. Ou alors, à la limite, la 1-2 avec son copain. Son frangin. Pardon. Il a le tacle et l'interception. Et il lui manque la... Oui, il lui manque la passe. La passe, elle, qui est dans le shop, d'ailleurs. Il me semble, la passe est la 1-2. Ok. Where is Brian? Non, Brian est là. Where is Stein? Le tir, ça pique.
Le tir, ça pique quoi? Le tir, il l'a. Il n'a pas son frein, son frère pour aller avec, mais le tir, il l'a. Jouable sans... Difficilement jouable sans deux autres Hollandais. Bah, pas jouable du tout, même. Parce qu'il n'a pas son boost. Là, faut pas le jouer tout seul. Hein. Surtout pas, faites pas ça. Hein. Pas grave, on vous a offert des coffres. Jouez-les avec les coffres. Avec au moins deux non-jouables de type force, paramètre plus 5% pour tous les joueurs. Le lien de base et rien d'autre. Là où ça rigole, joueur hollandais allié, intensité de combinaison spéciale, enfin de technique spéciale de combinaison plus 5%. Le Total Football est totalement pété. Totalement pété. Le Gerd Kaiser qui vous fume la moitié des meilleurs intercepteurs sur un mauvais choix. Voilà, c'est bon, on vient de passer aux deux tiers. Je vais skip ce portail d'une force. Un perso vite oublié une fois les Hollandais plus viables. Club a pas l'air de vouloir laisser tomber les Hollandais là pour l'instant. Le tir solo. Oui, il manque le tir solo. On va voir comment il tire. Ok, et puis bah évidemment le tacle à 520, 5% sur une SP à 520 et sur une SP à 525, c'est plutôt pas mal. Et puis il va avoir 5% au moins sur sa TS de tir combiné là. Bref, 12% face au gardien, seulement de 2 TS et probabilité 60%. Bah, c'est du Ishizaki. Et si le duel est perdu, moins 7%. Rageux. Ça, c'est passif rageux. Ok. Tirons. 489. Faut que je parte à quelle heure? Après, il y a le temps de... C'est qu'il y a le temps de montage. Je peux rester plus longtemps en live, hein, c'est pas le problème. Hein, mais sauf que derrière, ça veut dire que je fais pas le montage. Il avait un meilleur tir. Non, il n'y a pas de meilleur tir. Le tir, c'est 510. Alors... Là, il a 20% constant. Pim. Ensuite, il a 12% contre le gardien. On va le mettre là. 12% contre le gardien. Et ensuite, il a 5% TS de combinaison. Tu vas invoquer? Non, je pense pas. Non, je pense pas. En plus, si derrière, ça veut dire qu'il faut aller chercher un Stein sur un portail de merde. Hop. 337 000. Bah, on va faire la passe à Rasenbrick. Hein. Alors, c'est un bon tir. Hein. 337 000, c'est un bon tir. Ça marque pas à tout le monde, etc. Gna, gna, gna. Mais c'est un bon tir. Mais ça monte un peu plus haut, quoi, par contre. Alors, je peux lui mettre les 3% de Dick, hein, mais... Est-ce qu'on est sûr que les 5% s'appliquent à ses propres TS de combo? Bah, écoute, je suis pas complètement sûr, mais je trouverais ça tellement nul que ce soit pas le cas. Tellement complètement pourri qu'a priori c'est quand même pour tous les Hollandais. Mais si vous le savez, parce que j'ai pas fait de test, hein, si vous le savez, dites le moi surtout. Ça va pas, parce que alors, pour le coup, s'il a pas les 5%, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'il donne déjà Klinsmann? Klinsmann, il donne la 1-2. Ah oui, après il donne les 5% en fausse hotline. Tu vas invoquer les tickets? Oui, je vais invoquer les tickets. Je vais invoquer les tickets par contre. Alors, pas ceux que je n'ai pas encore farmés. CQFD. Tac. Mais après, si je lis effectivement le passif, hein, c'est un coéquipier. C'est un allié. C'est pas pour nous. Mais bon, je préfère lui mettre. Ok. On a tiré et ça tire correct, mais c'est pas incroyable. 12, 137, 86, 28, je voulais faire un truc, je ne sais plus, Techlixman, Cruyford, dribble, 470, hop, c'est plus contre le gardien, et c'est pas une combinaison de combinaison, pour le coup c'est limite le plus décevant, bon, en tout cas en tir, 340 000 en dribble. Ok, bon, très bon dribbleur, pas de problème. Pas de problème là-dessus. Voilà. En plus, son passif, il est constant, donc il n'y a pas d'histoire de zone ou d'adversaire.
1938, 95, 42. Bon, ça c'est la 1-2 à 525. On rigole un peu, voilà, 360 000. Ah, c'est pas ouf, hein. Bon, après, si ça marche avec lui, je peux mettre les 5%, on est à 375, voilà, là c'est fort. Là c'est très fort. Sinon, la 1-2, c'est 475 avec son frange. Donc 331, là, on est sur une 1-2 raisonnable. Sauf si les 5% ça poque pour lui, ce que j'imagine quand même, sinon c'est dégueulasse. 345, on est sur une très bonne 1-2. Ok. Au niveau de la passe, 455. Au niveau de la passe, on est à 320 000, on est sur une passe, sur une bonne passe. Rien d'exceptionnel, on est sur une bonne passe. Ok. Donc drip, passe, tout ça très bien, pas de problème. Pas de problème du tout. Je suis en train de regarder quoi? Je suis en train de regarder le tackle. Je ne sais plus ce que je regarde. Le tackle est à... Il a déjà, je crois, 440. Il a ses meilleurs spé hein, de défense. Ouais. Le tackle est à 440, 20%, clac, clac, crac. 315 000. Ça manque un peu de récupération, tout ça. Oh, c'est bien. Surtout vu son poste. C'est bien. Mais, il manque un poil, je trouve. Pour avoir un MO bien solide. Mais en MO offensif, on est bien. Un MO offensif. Elle était bien, celle-là aussi. Interception 455. Je vais ressortir le premier sting d'essai du placard. Ouais, il va être un peu juste, hein, mais il va être un peu compliqué. 318 000. Ouais. Donc l'interception, elle est bonne. Ouais. Oui, enfin l'interception. La défense est bonne. La défense est bonne. La défense est bonne. Tu peux pas te casser, toi. Mais casse-toi. Pourquoi je veux virer cette annonce? Parce qu'en fait, elle me bouffe la moitié de l'écran. C'est voilà, tout simplement. C'est tout. Hein. C'est pas, j'ai rien contre l'annonce, mais... Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, le lien est OK. Le tueur de gardien, bah, ça lui permet juste de revenir sur un bon tir. Ça lui permet pas d'être vraiment très très fort. Renforcement test de combinaison, ça c'est très bien, surtout pour les Hollandais. Ça marche que pour les Hollandais, c'est pas ça que je voulais dire. Hein. Quand je dis surtout pour les Hollandais, c'est que les Hollandais ont des très bonnes spé de combinaison. Hop là. Et puis, hop, le prix d'une ligne confuse. Bah, ça aide pas sur le perso, ça l'aide pas, mais c'est toujours ça de prix, on va dire. Le double scellement de spé, bah forcément quand ça proc, c'est très intéressant, très très intéressant, mais on peut pas compter forcément dessus, on peut parier dessus si vous voulez, mais compter dessus c'est plus compliqué. On est pas mal, après il n'y a pas d'anti-scellement, mais on a des spé quand même corrects à lui mettre pour doubler ses spé. Mais du coup, voilà, s'il tombe, vu qu'il est plutôt offensif, on va privilégier plutôt le doubler l'SP offensif. Du coup, on va peut-être pas doubler l'SP défensif. Et du coup, s'il tombe sur un mec qui scelle l'SP alors que nous, on est en duel défensif, ça peut être un peu compliqué. Sauf si on double celle aussi de notre côté, peut-être que ça peut nous aider. Mais sinon, ça peut être compliqué. Bon, j'ai envie de dire un bon milieu. Il a rien d'exceptionnel, mais c'est un bon milieu. Est-ce qu'il y a un monde où on rejoue le Davy DC en tant que plot pour donner 3% aux Hollandais? Avec Dick et l'ancien Risenbrick, on sera plus... Pourquoi tu veux jouer l'ancien Risenbrick? On sera plus 8%. Oui, je pense. Je pense que ce monde-là peut exister. Bon, maintenant... faut avoir un gardien solide quand même, parce que là... Dick, ok, il est costaud, mais si on commence à privilégier les liens hollandais, la défense, ça va commencer à être très compliqué. Très très compliqué. Par contre, offensivement, ça déménage. Hein. Brian DF m'a l'air meilleur. Pas forcément. Je ne suis pas convaincu. Alors, Brian DF, c'était full body sur TS. Tueur de full body. Donc, ça veut dire qu'en face, il faut que ce soit du full body. Et en plus, il faut qu'en face, il y ait plusieurs adversaires. Et avec tout ça, il a 338 en dribble.
338 en dribble au début. Lui, il est légèrement moins en dribble, je crois. Très légèrement moins. Mais full constant. Ce qu'il faut que je me remette, par contre, c'est la carte, quand même, de Brian. De toute façon, on l'a vu à peu près, mais juste voir les histoires de scellement, anti-scellement, etc., etc. Il désactive un scellement, mais il scelle pas. Ouais. Il désactive un scellement, il scelle pas. Bon. On va dire que c'est à peu près kiff-kiff à ce niveau-là. Donc, il est à peu près, on va dire qu'ils sont à peu près au même niveau en termes de, au terme offensif. Il est meilleur défensivement, à peine. Il est légèrement meilleur défensivement, mais encore une fois, il faut que ce soit avec plusieurs adversaires. Donc, en termes de stats, ça se joue. Non seulement ça se joue, et en plus, le nouveau est plus constant. Voilà. L'avantage qu'a le Dreamfest, c'est un peu le même constat finalement que Kaiser. L'avantage qu'a le Dreamfest, c'est que il est capable de marquer, alors ça dépend qui a dans les caisses, évidemment. 332, c'est qu'il est. Lui aussi, il a 300, je suis bête, je suis à peu près au même niveau, et en plus, et lui, ce sera que contre des gardiens full body, ce qui court pas les cages en ce moment. Et en plus, lui, il faut que ce soit sur ses premiers tirs. Tandis que notre ami, c'est constant. Donc, non. Parce que l'ancien Rasen Brick donne 2% également. Oui, mais enfin, je pense que je préfère enlever 2% et prendre le nouveau. Hein. Donc voilà. Donc un bon Brian. Un bon Brian MO. Mais pas forcément très bon finisseur. Et puis pas complètement cheaté non plus. Bon, en résumé de ce portail. Un Léondic défenseur solide. Qui donne 3%, etc. Il va avoir du mal contre un Masao, évidemment, contre un Kazuo. Contre un Masao à cause du double scellement, contre un Kazuo à cause de la couleur. Mais sinon, globalement, il est plutôt solide, plutôt constant. Donc, voilà. Un bon défenseur d'anniversaire. Klingsman, un bon milieu. Alors, un milieu correct. Il n'est pas incroyable sur ses stats, mais il apporte beaucoup à ses copains hollandais. Donc, à privilégier dans une team, évidemment, grosse, énorme majorité Hollande. Donc un joueur utile. Lui, le combo buff shield de Dick est très très fort et il donne 3% aux Hollandais. Donc pareil, dans une belle team Hollande, c'est plutôt sympathique. Klixman, voilà, bon, on vient de le faire grosso modo, et Brian, c'est un bon plutôt milieu. Parce que c'est pas forcément un très très bon finisseur. Il tire bien, hein, il tire comme un Roberto, hein, c'est pas non plus... c'est pas qu'il sait pas tirer, mais plutôt un bon milieu, bien constant, voilà, qui apporte quand même pas mal à sa team Hollande. On est pas mal du tout. Donc si je rajoute, après avoir du orange dans le PVP, il est 10h30, ouais, il est 10h30. Si je rajoute les copains coffres qui sont sortis, et ben on a une team Hollande qui est vraiment très séduisante, très forte. Je vais aller farmer le ticket du jour en attendant. Très séduisante, très forte et très offensive. Très offensive. Ça va être celui qui marque le plus de buts. Parce que si vous alignez une team full Hollande avec les boosts Hollande, etc., ça veut dire que votre gardien, lui, sera peu boosté. Donc, vous risquez de vous prendre des buts. L'objectif étant d'en marquer plus que votre adversaire, tout simplement parce que vous en êtes capable avec cette team. Voilà. Donc est-ce qu'on invoque ou pas? Si vraiment vous adorez les oranges, j'ai envie de dire, bah c'est le portail que vous attendez. Hein. Moi, les Allemands, je me suis pas posé la question de savoir ce que j'invoque ou pas. Ils étaient bons, j'ai invoqué, c'est tout. Point barre. Je joue allemand. Voilà, et après est-ce qu'ils sont jouables vraiment en PVP si vous prenez tout ce qui passe? Maintenant, je suis pas sûr que ce soit vraiment le meilleur choix à faire. Je suis pas convaincu. En tout cas, si vous voulez savoir est-ce que j'invoque pour être une masterclass en PVP, on va attendre. Hein. On va attendre de voir le stain éventuellement qu'ils peuvent nous sortir. Parce que là, il n'est pas sorti, et sans un bon stain, ça perd son intérêt. Brian moyen, rude, correct, digue bien. Bah,
Si tu parles des joueurs en eux-mêmes. Non, bah non, tu parles pas des joueurs en eux-mêmes, sinon t'aurais pas dit Brian Moyen et Rude correct. C'est Rude Moyen en tant que joueur, Rude Moyen et Brian correct. Mais après, en termes d'intérêt. Ouais. Premier tirage, Brian tombe. C'est un multi à 30 ? Alors, ça invoque, ça invoque rien du tout. Le Cruyffort te montre le deuxième portail Hollande avec Stein. Ah bah le... Un deuxième portail Hollande. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Stein, Davy, puis après on va mettre Delpy. À moins qu'il nous sorte un Dolman. Hein. Parce que là, le Dolman, il est clairement pas au niveau des deux autres coffres. Hein. Mais alors, pas du tout. Pas du tout, monsieur. Donc peut-être qu'il va nous sortir un Dolman. Hein. Mais là, on est le 9. Stein DF. Je suis pas convaincu. Peut-être, hein, mais je trouverais ça un peu chelou. Voilà, le portail dure 2 semaines. Ouais, on va attendre. On va attendre tranquillement de voir quelle sauce on va nous manger. D'ici 2 semaines, on aura le. Comment dire. Si deuxième portail il y a, normalement on aura l'annonce. Allez, on va s'invoquer les petits tickets. On aura au moins 2 SSR. On va essayer d'avoir du bon SSR. Lui qui a le pire. Ah ouais, lui qui a. J'y crois pas du tout à un autre portail Hollande. Bah j'ai du mal à le voir, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, ça permettrait de compléter, mais là ce serait. Pouah. Mais dur s'il y a un Espagne Jap. Jap 4, Allemand 3. Bah, je commence à y croire de moins en moins à mon dernier step allemand. J'y crois de moins en moins. Allez. Qui c'est que je veux? Je ne sais pas. Si, je veux Kevin Dreamco pour remplacer le Dortmund. Palier 3, Léon Dick qui tombe. Ça va. T'es bien, là. Allez, un petit Klinsmann avant la fin du step, et puis tu t'en vas, tu gardes tes DB. Bon. Ah, mince. Goethe et les Schmitt pour rehausser les Allemands. Ah mais moi je n'attends que ça. Je n'attends que ça. Surtout Goethe. Les Schmitt évidemment pour renforcer la défense et pour up up la team. Mais surtout Goethe pour apporter ce qui manque offensivement. Parce que là offensivement là... Oh merde. Ah, il manque pas beaucoup quand même. Hein. C'est quoi, c'est 24-25, il en manque 5. Il en manque 5 et j'ai pas énormément de place. Ah, je crotte. Parce que la team allemande n'est pas morte offensivement, mais elle a pris un sacré coup derrière la tête. Hein. Rien au palier 4. Allez, le dernier. On fait le dernier ensemble. Ah. Hop là, voilà. Espagne, Jap, Brésil. C'est sûr. Jap, c'est... Jap, c'est pas sûr, mais après, c'est vrai qu'il manque des persos, il manque des persos clés. Hein. Il manque des persos clés. Deux SSR, mais double handic. Voilà, un bon step. Voilà. C'est pas le step incroyable, mais c'est quand même un bon step. J'ai eu trop de SSR dernièrement, ça m'a reblindé ma box que je m'étais évertué à agrandir et nettoyer. Scandaleux. Voilà, un bon petit nettoyage. C'est parti. Brésil, ça va être du debuff, ça fait chier. Ça risque d'être du debuff. Mais s'ils nous sortent un... S'ils nous sortent du Santana ou du Naturezza sur le Super Dream Fest, m'étonnerait que ce soit un gros debuffer quand même. Oh! Oh, Roberto ça! Oh, les souvenirs dorés! Oh, ça c'est beau! Oh, ça c'est beau! Encore, encore, encore! Ouais! Allez! Schmitt! Non. Ah bah c'est... Je suis content d'avoir de SSR pour ça, moi. Oh bah écoutez. Un gardien job, dis donc. J'aime bien ces tickets. On se refait sa box. Avec ces tickets. Au DC, je vois bien Natsu et Yuga. Je ne sais pas. Moi, je ne vois rien. Ok. Eh bah ça, c'était sympa. Bon, je vois, vous en avez rien à cirer, mais... Natu SDC debuff, c'est sûr aussi.
Pourquoi ? Ça a été annoncé officiellement ou... Salut ! Bisfellinx. J'ai bien prononcé, oui, Bisfell. Ah, encore un petit SSR ? Ah, non. Ah, non. Ah, c'est triste. J'étais bien, moi. 100 dB, je me tâte à recommencer le premier palier. Ne te tâte pas trop, quand même. Attends, attends. Il dure 15 jours. Attends, attends de voir la suite. Attends tranquillement. Bon, mais écoutez. Voili, voilà. Ah oui, palier 1. T'imagines ? Imagine le gars qui a dépensé 150 dB là pour essayer d'avoir, je sais pas moi, Kaiser qu'il avait pas eu. Razenbrick ? Pire, Razenbrick. Moi je serais dégoûté. Hein. Je serais dégoûté. Hein. 15 jours après, les mecs ils te sortent, enfin, ou une semaine après, j'ai pas fait gaffe. Quand est-ce que c'était sorti ? Ils te sortent un coffre qui rivalise largement avec le mec qui est sorti. Tu peux récupérer 8 tickets sur l'event de médaille. Oui ! Ouais, ouais, on peut récupérer 8 tickets, mais c'est ce que je ne vais pas faire ce matin. Non, mais tous les Brésiliens sont debuffs et ils sont logiques dans les teams à thème pour une fois. Déjà, tu me parles de Dreamfest. Ça n'a pas été annoncé. Ah non, Dreamco, tu m'as dit. Natu SDC Dreamco. Sur un Dreamco, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais bah je sais pas, je sais pas. Bref, si tu veux jouer au Brésil et que t'es buff, tu es bisé. Oui, bah oui. Qu'est-ce que je cherche ? C'est pas ici le bouton en fait, ce pixel ici. Je suis là ? Ah ouais, je suis là. Il y a même ma tête. D'habitude, je la perds ma tête. Bon, bah écoutez, on s'est bien marré ce matin. Oh, je me suis dit, oh c'est bon, ça va être tranquille et tout. Après, j'ai vu qu'il y avait 6 personnes à analyser. Je me suis dit, bon, ça va être tendu de faire tenir tout ça jusqu'à 10h30, mais ça va être tranquille quand même. Puis après, j'ai commencé à analyser. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah bon, c'était drôle. C'était drôle. Ce matin, c'était drôle. On est vendredi. Il n'y a rien d'annoncé. Il n'y a pas de portail d'annoncé. Zéro portail d'annoncé. Très bien. On s'amuse bien. Quand est-ce que va être le Dreamco ? Ils vont le sortir quoi ? Mercredi ? Pas de portail lundi ? J'ai raté là, je... Mini DC lundi. Ouais. Ouh. Et ils sont... Ah, c'est peut-être là où j'avais pas cliqué, en vrai. Non, rien du tout. Rien du tout. Non, ils ont rien annoncé. Dreamco avec les frangins Smith. Ah non, non, ça suffit là. Qu'est-ce que tu veux faire là, Jus ? C'est pour dire ça, hein. Vous pouvez rester chez toi. Merde. Mini DC avec Stein. Ça sera un bon move. Ce sera un bon move. Ce serait très rigolo. Bon, écoutez. Merci beaucoup d'avoir... le Razenbrick 3% de 2014 sur le Ticanif. Ça fait... Oui, ça fait mal. Ça fait mal. On se retrouve a priori lundi, mais je ne sais pas pourquoi. Mais s'il n'y a rien, on se retrouve pas lundi. Sinon, on se retrouvera pour le Dreamco qui devrait être mercredi, j'imagine. Ça, on verra bien. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Et on se retrouve très bientôt sur ce club. J'ai raté l'intro, je rate l'outro, c'est normal. On se retrouve très bientôt sur Socken Games pour d'autres vidéos, d'autres lives et d'autres folies. Ciao, 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 ciao. Voilà, la vidéo est terminée. N'oublie pas le petit pouce, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, ça permet de nous soutenir. Tu peux foncer regarder nos autres vidéos vachement intéressantes. Si c'est pas déjà fait, clique ici pour t'abonner, tu verras, ça marche même sur mobile. Et retrouve-nous sur Discord, Twitch, Steam ou Facebook. Et je te dis à tout de suite.